Donc la saison se termine pratiquement aujourd'hui, voilà. Le club descend en deuxième division. Comment tu peux résumer ta saison, c'est ta première année ici en Angleterre? Ouais, non, très bonne saison, difficile. Pourquoi? Parce que je viens dans un championnat que je connais pas, dans un très bon club, plus par Rangers. Voilà, on a eu la chance d'avoir des résultats positifs, pour essayer de rester en première ligue. C'est vrai que c'est décevant, mais je suis content d'avoir fait cette saison ici. Le match à Chelsea où on gagnait 0, on était tous ensemble, mais après c'était compliqué le reste de la saison. Mais je pense que c'est ce match-là que je vais retenir. Et le moins bon moment sportif aussi dans la saison, c'est ce match-là, le match à domicile où on perd contre Newcastle. On mène à 0 et on perd le match facilement. Mes enfants sont là. On s'est très vite adapté ici. J'ai beaucoup d'amis anglais que je rencontre quand je vais au restaurant avec ma famille. Certains Brésiliens qui sont à Chelsea, des joueurs un peu partout. Ce qui est bien ici, c'est qu'on se côtoie régulièrement et on discute ensemble comme si on était ici. C'est le dernier match de Sir Alex Ferguson à Manchester. C'est un entraîneur que tu as connu. Que penses-tu de lui et sa carrière? Extraordinaire. Ce qu'il a fait, c'est impressionnant aussi. Tu vois. Le fait de d'avoir rangé 36 titres en un laps de temps. C'est vraiment impressionnant, c'est quelqu'un qu'on respecte énormément ici en Angleterre et dans le monde du football aussi, il est super respecté, c'est un très très bon entraîneur. Déçu parce qu'il arrête, mais je pense qu'il va avoir ses raisons et c'est quelqu'un de très très beau aussi, d'après ce genre d'homme. J'ai discuté avec mes dirigeants, c'est vrai que je suis international et j'ai des objectifs aussi. Après, je pense que c'est à mon avocat de discuter avec les dirigeants pour pouvoir voir ce que je vais faire l'année prochaine. MB, you promised me. Yes, MB. MB, you said MB can't match. Allow it, man. You said Frankie.